Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne du Communic TV. Je vais vous expliquer clairement le contrôle de l'orthographe. Suivez avec moi s'il vous plaît. Il n'y a pas uniquement l'orthographe, il y a aussi lexique ou vocabulaire. La première question, c'est vraiment facile. Il faut suffit tout simplement de mettre un ou un. N'oubliez pas que devant P ou B ou M, je dois toujours mettre un avec M, comme l'exemple de impossible. Voilà, et imperméable. Et pour les autres, je dois tout simplement mettre un, comme l'exemple de la fin ou le sapin. Mais lorsque je vois P ou BEM, comme ça, P ou BEM, je dois mettre toujours IM. N'oublie pas cela. Alors, on passe à autre chose. Maintenant, deuxième question, c'est vraiment simple aussi. Complète les mots avec T ou C, C, I ou C. On sait déjà que CCD c'est différent de C. De C, il y a deux sens, le sens C et le sens K. Mais CCD, il y a uniquement un sens. C. Il y a uniquement un son, c'est le sens C. Glaçon, c'est avec CCD. On ne dit pas glaçon. Glace, c'est avec C. Attention avec T et le son avec CCD. N'oubliez pas cela. C, c'est toujours devant E. I, Y et CCI devant A, O et U. Voilà. Complète les mots avec I. I, Y, I, c'est le son I. On dit une bille, le charpentier, le travail et le voyant. Il faut tout simplement mémoriser ces mots. C'est ça ce qu'on appelle l'orthographe. C'est la façon de mémoriser et de ne jamais, jamais oublier. Une bille, le charpentier, le travail. Le voyant. Complètement avec S ou Z. Normalement, S devant deux voyelles prend Z, comme visiter, comme user, comme fraise. Mais 14, non, ça prononce comme Z. N'oublie pas que je vais écrire sur tableau noir quatre mots qui ont deux sons différents et vous pouvez tout simplement mémoriser pour quelques minutes. Et après, vous pouvez tout simplement écrire sur votre copie et avoir de bonnes notes. Alors, c'est fini pour l'orthographe. Complétant avec 1 et 1. N'oubliez pas toujours P O B O M. Devant P O B M, je dois mettre 1. Complétement avec T ou C, C, D ou C. Comme l'exemple de glaçon, glace, attention et le son. Vous pouvez mémoriser, s'il vous plaît. Mémoriser les mots. Complète les mots avec I, Y, I, comme exemple de inbi, le charpentier, le travail, le voyant. Complète les mots avec S, Z. S devant deux voyelles, ça s'écrit Z, visiter, user, fraise et 14. N'oublie pas aussi d'écrire les mots dictés. Avant cela, je vais l'écrire sur tableau noir. Et vous pouvez mémoriser et écrire sur votre copie. On passe maintenant au lexique. Alors, lexique, c'est vraiment simple. Il suffit tout simplement d'entourer la bonne réponse. Richard est à l'opéra. Est-ce que c'est un gâteau ou un théâtre? L'opéra, oui, c'est pas un gâteau, c'est un théâtre, bien sûr. La souris grignote du fromage. Est-ce que c'est un animal ou un ordinateur? Oui, on sait déjà que c'est parmi les équipements de l'ordinateur, il y a la souris. Mais la souris ici, c'est pas un équipement de l'ordinateur, c'est un animal tout simplement. Son lit est immense, c'est pas le verbe lire. C'est un meuble parmi les meubles de la chambre. Son lit est immense. Le clown fait son numéro. Le numéro ici, c'est pas un chiffre comme 4 ou 5 ou 10 ou 0. Non, c'est un spectacle. Alors, Richard est à l'opéra, c'est le théâtre. La souris grignote du fromage, c'est un animal. Son lit est immense, c'est le meuble. Et le clown fait son numéro, c'est spectacle. Choisis dans la liste le mot qui convient. Alors, pour la note, aux dames, rayon et volet. Roue de vélo au soleil, c'est bien sûr les rayons. Alors, il y a le mot rayon, je ou personne, la personne veut dire tout simplement la dame ou le monsieur, je sais si c'est la dame, liste de musique, parmi les notes de musique, tu vois,
Do, ré, mi, fa, sol, la. Sinon, c'est les notes de musique. Alors, on peut être liste dérober au oiseau, c'est-à-dire voler. Qu'est-ce qu'elle fait, le oiseau? Vol, voler. Alors, roue de vélo au soleil, c'est rayon. Je, personne, c'est dame. Liste de musique, c'est note. Et dérober au oiseau, c'est voler. Alors, vite fait, on tourne ce qui est juste. Éventuel, est-ce que c'est avant ou après? Ah, je choisis après. Pourquoi? Parce que E vient après C. A, B, C, c'est ça, c'est avant. A, B, C, D, E. Voilà, au accent. Liberté, ce mot vient après bordure. Pourquoi? Parce que L vient après B. B, c'est avant L. Et C, c'est avant E accent. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo est vraiment bénéfique pour la plupart des élèves de CE1 qui se préparent pour le prochain contrôle. À très bientôt avec vous, monsieur, sur la chaîne Je Communique TV. Au revoir.